Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluto. Aujourd'hui, notre émission sera entièrement consacrée au crédit social. Si vous n'êtes pas familier de ce terme, sachez que ce système de surveillance numérique hors norme mis en place par la Chine commence à se ramifier au sein de nos sociétés occidentales. Divers outils mis en place ces dernières années laissent à penser que nos libertés fondamentales s'effritent peu à peu et pourraient à terme laisser la place à ce que l'on pourrait qualifier de dictature numérique. Vous pensez que c'est impossible Voyons cela de plus près. Mais avant toute chose, revenons sur les fondements et les mécanismes de ce crédit social. Mis en place par le Parti communiste chinois en 2014, pour assurer une surveillance totale de sa population, ce système s'est assez rapidement généralisé sur tout le territoire. Basé sur la vidéosurveillance. Et la reconnaissance faciale, ce dispositif accorde à chaque citoyen chinois une note de 1000 points. Un permis à points en somme. Mais c'est finalement un permis pour vivre, où chacun de vos faits et gestes est épié et au moindre faux pas, vous êtes sanctionné. C'est-à-dire que votre comportement dans la société ou dans votre travail va provoquer le gain ou la perte de points. Vous jetez un papier par terre, vous perdez des points. Une incivilité, vous perdez des points. Vous traversez un feu rouge, vous perdez des points. Vous osez une critique du Parti communiste chinois, vous perdez encore plus de points. Par contre, si un citoyen décide de faire un don de sang, l'administration chinoise relèvera sa note. Il en va de même si vous signalez un délinquant à la police. Finalement, ce système de notation va créer un classement pour chaque citoyen. Il peut même arriver que l'on perde trop de points et que l'on soit privé d'existence sociale. Autrement dit, il y aura d'un côté les bons citoyens qui pourront jouir de la liberté de mouvement et des infrastructures publiques, et de l'autre les mauvais citoyens qui seront relégués au rang de criminels. Si les règles du crédit social ne sont pas respectées par les citoyens, eh bien ils seront sanctionnés et humiliés en affichant par exemple leurs portraits dans les cinémas et les lieux publics. Ce système de surveillance de masse fait passer donc les devoirs des citoyens avant leurs droits. Nous reviendrons sur cette notion un petit peu plus tard. Rappelons que la Chine fait partie des pays les plus stricts au monde. C'est un état-gendarme, un régime autoritaire et totalitaire qui veut détenir un contrôle absolu sur sa population. Mais pourtant, il ne peut éliminer la fraude, l'escroquerie et les délits dans la société. Pour compenser ce manque de citoyenneté et de civilité, le régime chinois apporte la solution de la surveillance de masse. Tout est basé sur la sanction et la punition. Ce qui est primordial, c'est de faire respecter la loi. Le pouvoir chinois veut donc exercer un contrôle total sur ses citoyens. Pour ce faire, l'État chinois s'appuie sur la technologie. Il a donc naturellement installé 600 millions de caméras à travers tout le territoire pour scruter tous les mouvements de ses citoyens. Chaque personne est aussi identifiée grâce à une puce électronique insérée dans sa carte d'identité et sur laquelle sont stockées ses données, comme par exemple le lieu de résidence, le lieu de travail, la situation familiale ou encore les mouvements bancaires. En France, le président de la Voix du Peuple, Jean-Frédéric Poisson, s'inquiète de la possible mise en place du crédit social chinois dans l'Hexagone. Sur le site de son parti, M. Poisson fait part de ses craintes. Il rappelle notamment que dans le documentaire Tous surveillés 7 milliards de suspects, le créateur du Crédit Social, Lee Junyu, déclare qu'il souhaite étendre son système au pays capitaliste. Pour terminer, Monsieur Poisson souligne que les utopies ne sont pas des systèmes viables et que mieux vaut un monde moins utopique, moins parfait mais plus libre. Si Monsieur Poisson a vu juste, il doit bien avoir des signes montrant une numérisation de la société pouvant mener à ce fameux crédit social. Il semblerait que oui, il y en a et il y en a beaucoup. Commençons par la reconnaissance faciale qui est le socle sur lequel repose le crédit social. Depuis quelques années, des villes ultra surveillées ou communément appelées Safe Cities sont promues par plusieurs villes françaises. Cela afin de garantir, selon elles, la sécurité des habitants grâce notamment à la reconnaissance faciale. C'est le cas de Nice, qui est la ville la plus équipée en caméras de France ou encore la ville de Dijon. Revenons un peu sur ces termes dont beaucoup n'ont pas encore entendu parler. Les smart cities sont des villes qui prétendent utiliser les nouvelles technologies dont l'intelligence artificielle afin d'améliorer notre quotidien urbain. Ces technologies ont pour vocation de repérer les comportements suspects notamment grâce à la reconnaissance faciale. Mais vous allez voir qu'il s'agit là d'un problème mondial. Le 16 février dernier, le Washington Post a révélé un document de l'entreprise américaine spécialisée dans la reconnaissance faciale, Clairview AI. Selon ce document, l'entreprise américaine s'est fixée pour objectif d'obtenir 100 milliards de photos de visage l'an prochain. Plus incroyable encore, selon ce texte adressé à ses investisseurs, Clairview AI garantit que presque tous les gens dans le monde seront identifiables. 100 milliards de photos de visages correspondent donc à environ 12 photos pour chacun des 8 milliards d'habitants sur Terre. Si vous vous demandez comment ils ont pu trouver ces photos, bien sur Internet et particulièrement sur les réseaux sociaux. Pour cette raison, l'entreprise fait face à une vague d'actions en justice et d'enquêtes gouvernementales pour violation de la vie privée. Facebook, Google, Twitter et YouTube ont aussi exigé l'arrêt de la collecte et la suppression de ces images déjà prises sur leurs sites respectifs mais pour l'instant sans succès comprenez bien que la surveillance de masse ne se limite pas à un seul domaine c'est la multiplicité et le croisement des dispositifs qui font que les citoyens se retrouvent étroitement surveillés et le projet qui va suivre pourrait s'il était utilisé à mauvais escient rentrer dans cette catégorie je veux parler du portefeuille d'identité numérique, censé centraliser toutes nos données d'identification et bancaires. Ne pensez pas que cela reste du domaine des idées. Non. Ce projet est déjà très avancé. En effet, le fleuron français de l'électronique Thales, spécialisé dans la défense et la sécurité, a développé le Digital ID Wallet. Sur sa chaîne YouTube, Thales a publié le 22 octobre 2020 une vidéo Censé vanter les mérites de son portefeuille électronique. Mais de quoi s'agit-il au juste Il s'agit ni plus ni moins que d'un système d'identification numérique directement intégré à votre smartphone. Le but affiché par Thales vous faciliter la vie. Dans la vidéo promotionnelle, Thales donne de nombreux exemples utiles pour faciliter la vie des détenteurs de ce nouveau portefeuille d'identité numérique, notamment. Lorsque l'application rappelle à Lucie, la protagoniste, de prendre rendez-vous pour sa vaccination obligatoire, cet outil semble donc sous-entendre une sorte d'intelligence artificielle avec laquelle nous serions en contact tout au long de notre vie. Et oui, la réalité semble avoir dépassé la fiction. Un des autres exemples mis en avant est lorsque l'application permet de certifier que Lucie bénéficie bien d'une couverture santé. Il permet aussi de certifier son âge pour entrer dans un bar, par exemple. Selon Thales, ce portefeuille d'identité numérique pourrait devenir notre meilleur ami. Notamment pour protéger nos identifiants ou encore lutter contre l'usurpation d'identité. De plus, ce système serait officiellement émis par le gouvernement. Mais là où cela commence à devenir intéressant, c'est que ce dispositif existe en Chine depuis 2013. En effet, l'application WeChat permet la centralisation de toutes les données de ses utilisateurs. Nous allons maintenant voir que le projet d'identité et de portefeuille numérique est présent dans de nombreux pays au sein même de l'Union européenne. En septembre 2020 déjà, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la Commission proposera une identité électronique européenne sécurisée. que tout citoyen pourra utiliser partout en Europe pour n'importe quel usage, comme payer ses impôts ou louer un vélo. le but affiché ici est de faciliter la vie des citoyens et des entreprises. c'est donc une centralisation de toutes vos données d'identité, de santé et de consommation. un numéro d'identification unique vous sera attribué à vie. comme je viens de l'évoquer, cela concerne aussi la santé. écoutez bien. dans le rapport sénatorial de juin 2021, intitulé crise sanitaire et outils numériques, une phrase a attiré notre attention. Écoutez plutôt. Dans un cas extrême, les données médicales d'un individu positif pourraient être croisées avec ces données de géolocalisation et, en cas de violation de sa quarantaine, conduire à une information des forces de l'ordre ou, par exemple, à une désactivation de ses moyens de paiement. Philippe Murer, économiste spécialiste de l'environnement interrogé par notre confrère Epoch Times, évoque les usages du numérique envisagés par ce rapport. Écoutons-le. En fait, ce rapport est glaçant, puisque les sénateurs parlent tranquillement de mesures possibles à prendre en cas d'épidémie. C'est toujours surveiller et punir, mais là, ça serait mettre un collier euh, au cou des salariés pour pas qu'ils se rapprochent de plus d'un mètre d'un autre salarié. Ça pourrait être aussi un bracelet électronique. Donc, comme pour les prisonniers, pour que les malades puissent pas se déplacer hors de chez eux, ça serait les voitures qui seraient scannées, les plaques d'immatriculation scannées par des radars pour vous empêcher de vous déplacer si vous ne pouvez pas, et vous mettre une amende automatique, contrôler vos fréquentations. Donc on voit que, et même le mot du crédit social chinois est prononcé, donc on voit que dans leur esprit, c'est quelque chose de tout à fait possible. Pourtant, certains s'inquiètent des possibles dérives de ces nouveaux outils numériques. C'est le cas de l'eurodéputé Christian Teres, interviewé par le média suédois New Voice le 21 janvier dernier. Selon lui, la mise en place de cette entité numérique pourrait conduire à un système de crédit social comme en Chine. Il ajoute que le certificat vert a permis de créer le système, la technologie et l'infrastructure pour mettre en place l'identité numérique. Le cadre est donc posé. Et la Commission européenne a officiellement déclaré vouloir lancer des projets pilotes pour 2023. Pour terminer, M. thérès donne un exemple d'une utilisation invasive de ces nouveaux outils. Il explique que l'Union européenne vient de s'accorder pour réduire d'au moins 55% ses émissions de CO2 d'ici 2030. Mais selon lui, le seul moyen serait de rationaliser tout ce que nous faisons et tout ce que nous consommons. Il donne notamment l'exemple d'une empreinte carbone sur les aliments. Pour soutenir ses propos, l'eurodéputé mentionne qu'il est le rapporteur principal de l'identité numérique au sein de la commission LIB. Autrement dit, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Chose étonnante, il ne semble plus exercer ce poste car le 10 février dernier, il est passé de membre du LIB à simple remplaçant, selon l'annuaire officiel de l'Union européenne. Soit près de 20 jours après l'interview en question. Vous pensez peut-être que M. Thérèse exagère et qu'il n'en est rien. Mais force est de constater que la crise sanitaire a conduit à la généralisation de certains outils qui sont rentrés dans notre vie quotidienne, comme le QR code, par exemple. Ce dispositif est un vecteur essentiel pour promouvoir et instaurer une identité numérique. Regardez plutôt. Même si bon nombre de pays ont mis un terme à la plupart des mesures Covid. L'Union européenne ne semble pas prête de s'arrêter. En effet, le 25 janvier dernier, le Conseil de l'Union européenne a adopté une nouvelle recommandation sur les déplacements au sein de l'Union européenne. Bien sûr, toujours en lien avec le Covid-19. Le but serait d'uniformiser les règles d'entrée dans les pays européens. Entrée qui serait facilitée à l'aide d'un certificat Covid numérique. Mais alors, que se passerait-il si vous n'aviez plus de passe et si le nombre de cas Covid est élevé dans les pays de destination, vous pourriez être mis sous quarantaine à votre arrivée ou devoir vous faire tester. Ces mesures conduisent de fait au renforcement de la souveraineté européenne et à un affaiblissement de la souveraineté nationale. Toujours en parlant du QR code, il vient de faire son apparition sur la carte électorale française. Vous pourrez maintenant voter à la présidentielle de 2022 ou pour les prochaines législatives par un simple scan de votre mobile. Ce système permettra dorénavant de faciliter et d'encourager les démarches en ligne. Les opposants à ce QR code y voient les prémices d'un futur passe citoyen. Florian Philippot, dans un tweet du 3 février, a souligné que l'apparition de ce QR code sur la carte des lecteurs n'est pas anodine. Selon lui, ça prépare la suite. Toujours la même technique, des petits pas pour endormir la grenouille et la faire bouillir progressivement. Toujours en France, le passage du pass sanitaire au pass vaccinal a montré la facilité de modification de ce genre de système et témoigne d'une possible dangerosité. Il n'a fallu qu'une petite mise à jour pour effectuer la transition. Donc, la question qui se pose est, à l'avenir, d'autres maladies ou d'autres conditions pourraient-elles être ajoutées à ce pass Selon le développeur informatique François Jolin, la réponse est oui. Dans un article paru sur Contrepoint, il a déclaré ⁇ Ces règles peuvent donc être changées très rapidement. Il suffit de mettre à jour l'application, et ce, sans changer aucun pass. » Plus inquiétant encore, il ajoute que le passe sanitaire est conçu pour être multimaladie. On y voit donc la volonté des politiques de gérer des crises à venir grâce aux outils numériques, mais surtout de manière plus efficace et plus rapide. Bien sûr. Nous ne pouvons pas affirmer que le pass sanitaire sera utilisé pour d'autres maladies ou utilisé à d'autres fins. Cependant, cela vient corroborer les craintes de l'eurodéputé Christian Terrès, à savoir que le certificat sanitaire a posé les bases pour l'identité numérique. Nous semblons donc être dans les prémices d'un possible changement de système vers plus de contrôle et moins de liberté. Avec, bien sûr, la mise en avant de la sécurité et de la simplification pour justifier le changement. Revenons en France maintenant. Au début de l'émission, je vous disais que le crédit social en Chine fait passer les devoirs avant les droits. Eh bien, le 29 janvier dernier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré au journal Le Parisien que dans l'après-Covid, on veut poursuivre la redéfinition de notre contrat social, avec des devoirs qui passent avant des droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales. En ces mots, le porte-parole évoqué... Le projet d'Emmanuel Macron, qui, lors de son allocution du 31 décembre dernier, avait aussi déclaré que les devoirs valent avant les droits, en parlant de la vaccination. Face à ces propos, plusieurs politiciens français ont d'ailleurs fortement réagi. C'est le cas de Franck Alizio, le vice-président du groupe RN au conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a déclaré Que veulent dire ces propos, si ce n'est la mise en place du crédit social chinois digne. Du pire d'un régime totalitaire. De plus, de nombreuses personnes influentes mondialement n'hésitent pas à chanter les louanges du Parti communiste chinois. Peut-être même jusqu'à vouloir imiter leur méthode de gouvernance. Interviewé par Epoch Times, le haut fonctionnaire et essayiste Eric Verreg explique l'influence du modèle communiste chinois en Occident. On l'écoute. De mon point de vue, il y a euh, aujourd'hui profondément euh, d'abord une fascination de la caste mondialisée pour les méthodes chinoises, pour les méthodes autoritaires communistes. Euh, il y a une fascination pour ce modèle économique chinois où se mélangent les intérêts publics et les intérêts privés. Concrètement, le meilleur exemple est certainement le Forum économique mondial de Davos, ou plus précisément de son président et fondateur, Klaus Schwab. En effet, il y a plus de 40 ans, M. Schwab avait entamé un long chemin pour initier et renforcer les échanges entre le régime chinois et le monde économique international. Ce périple qui a été initié après la mort de Mao Zedong a conduit l'économiste allemand, à recevoir en 2018 des mains de Xi Jinping lui-même la médaille de l'amitié. À plusieurs reprises, même le mondialiste Georges Soros a critiqué la position de Klaus et de son forum vis-à-vis -vis du régime chinois. Il a également déclaré en 2019 qu'à Davos, il n'est pas de bon ton de critiquer la Chine reconnaissance faciale, portefeuille numérique, QR code. Je pense que nous avons fait le tour. Eh bien, pas tout à fait. Il reste un aspect qui englobe et dépasse tout ce dont nous avons parlé au cours de cette émission. Il s'agit du transhumanisme. Pour faire court, il s'agit d'un mouvement idéologique qui prône l'amélioration de l'espèce humaine grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Klaus est un grand adepte et promoteur du transhumanisme. Lors d'une interview sur le plateau de la RTS en 2016, il avait déclaré que l'on pourrait imaginer, dans un futur proche, s'implanter des puces dans nos cerveaux. Ce qui pourrait conduire à une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Autrement dit, selon les mots de Klaus Schwab, la fusion entre le monde physique, digital et biologique. Pour terminer, M. Schwab va encore plus loin en déclarant que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir, avant d'ajouter que dans ce nouveau monde, nous devons accepter une transparence totale. Mais cette transparence pourrait signifier à terme la fin de la vie privée. Peut-être même les prémices d'une dystopie. Bien que ce soit des prédictions venant de Clochefab, nous pouvons le prendre au sérieux. Pas à pas le gouvernement français ou encore l'Union européenne semble avancer sur le chemin du crédit social à la chinoise. Avec pour même principe de fond, surveiller, noter, récompenser et parfois même punir. Philippe Murer évoque sur Epoch Times la prise de contrôle numérique du gouvernement sur la vie privée des Français. Écoutons-le. Les gens n'ont pas conscience, je pense, qu'avec tous ces outils numériques, euro numérique pour les achats, passe sanitaire pour les loisirs, et identité numérique pour Internet, eh bien, en fait, on peut vous couper de tout. On va vous surveiller sur tout, potentiellement. Et on peut vous déconnecter et vous tuer socialement euh, complètement quelqu'un qui serait un opposant ou que le pouvoir n'aimerait pas. On voit qu'on est en train de faire un scénario avec des inégalités sociales absolument majeures. Avec comme motif notre sécurité. Le gouvernement pourrait permettre à la police d'identifier des criminels, de déjouer des attaques terroristes ou encore de mettre fin au réseau pédophile. Mais il sera mis en place une forme de légalisation de l'espionnage, où les sociétés de renseignement et les services de l'État vont travailler main dans la main. Mais avons-nous encore la possibilité de riposter En 2021, les Suisses ont rejeté la loi fédérale sur les services d'identification électronique, à une majorité nette de 64%. Pour eux, aucune identité numérique ne peut être fournie par des entreprises privées. Le rejet du vote s'est joué sur la question de la confiance. Selon Eric Schonenberger, délégué général de l'organisation Société Numérique, ce que les Suisses veulent, c'est la délivrance de cartes d'identité qui doit rester de la responsabilité de l'État avec le respect du principe fondamental de protection des données. Tous nos déplacements d'argent pourraient être surveillés et nos comptes tracés pour des questions de blanchiment d'argent. Écoutons à nouveau Philippe Murer qui y voit des objectifs dissimulés de contrôle. Bon, ça n'empêchera pas complètement le blanchiment non plus. D'ailleurs, l'argent est déjà électronique. Hein. L'argent déjà utilisé est déjà électronique avec des cartes bleues. Il y a déjà Tracfin qui surveille les comptes en banque pour les questions de blanchiment hein. dès qu'il y a des déplacements d'argent, un tout petit peu important. Donc, on a déjà des outils, mais ils avancent vers ça. Et puis, surtout, ils dénient le fait que ce soit pour aller vers la société sans cash, parce qu'évidemment, à ce moment-là, ça fait peur à beaucoup de gens. Regardons ce qu'il s'est passé au Canada, qui est un pays parmi les plus démocratiques du monde. La répression a touché les manifestants du convoi de la liberté au porte-monnaie avec la mise en place de la loi sur les mesures d'urgence. En effet, pour les faire quitter la ville d'Ottawa, le premier ministre canadien Justin Trudeau a gelé les comptes en banque de certains manifestants. Face à ces menaces qui pèsent sur nous, y a-t-il une échappatoire Certaines associations et certains médias, comme la Quadrature du Net, sont très engagés dans la défense des libertés fondamentales des internautes dans l'espace numérique. Leur analyse et leurs articles nous éclairent sur les enjeux politiques et juridiques de notre monde informatisé et sur ses possibles devenirs. Ces associations luttent contre la censure et la surveillance de nos données personnelles en accès libre sur Internet qui menacent la sécurité des utilisateurs. C'est aussi le cas du collectif Reclaim Your Face qui a lancé le 17 février 2021 une campagne contre la surveillance biométrique et notamment la reconnaissance faciale, identité et portefeuille numérique, crédit social ou encore monnaie numérique. L'avenir rejoint de plus en plus la science-fiction. Alors que certains nous annoncent un monde numérisé et transhumaniste, le retour vers la tradition et l'humain semble être la seule voie alternative. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libre.